Il y a plusieurs semaines, j'ai réalisé un concours sur ma chaîne YouTube qui permettrait à l'un d'entre vous de me suivre en enquête dans un lieu hanté. Le hasard a voulu que ça tombe sur Magali, une jeune maman habitant en Belgique. Après plus de 11 heures de route, elle est à mes côtés en pleine nuit. J'ai proposé à Mag plusieurs spots où j'ai réalisé des enquêtes paranormales. Sans hésitation, elle m'a dit qu'elle voudrait percer le mystère sur la maison aux cris. Souvenez-vous, il y a près de 3 ans, j'avais été témoin d'un phénomène que je n'arrive toujours pas à expliquer de manière rationnelle dans cette maison. Un cri démoniaque avait retenti tout près de moi, ça a été l'une de mes plus grandes peurs de toute ma carrière de chasseur de fantômes. C'est dans ce contexte que moi et Magali allons essayer de comprendre ce qu'il y a bien pu se passer cette nuit-là. Comme vous allez le voir et l'entendre, cette enquête est vraiment très très dingue. Et c'est tout droit. Ouais. Avec des ronces. Fouti. Ça... Je pense que c'est par ici que... Tout droit. Ouais. Plein de ronces. Fouti. Bonjour. Ah, Bonjour. Fouti. Ah oui, quand même. Attends, on va passer. D'ailleurs. Mon Dieu. Ah oui, je sais que la dernière fois que vous avez dit parler des ronces, ah, je me suis un petit peu accroché. Allez, laisse faire. Moi, j'y rappelle. Ah, prends ton temps. Bon, ma belle-mère, merci pour ce cadeau. Les pulls. Ah, j'en ai une dans l'œil. Mon Dieu. Ouais, c'est pour ça que je perds un petit peu l'épaulière et la sacoche. Là, tu es dans la peau d'entrice. Ouais. en fait, c'est en toi, mais en féminine, en fait. Trop sur toi. Ouais. J'en ai dans les cheveux, mais c'est pas grave. Ça remet comme il faut. Ouais. Ah, je sens. Je suis accrochée par le. C'est bon? C'est quoi ça? C'est ma corde. D'accord, ok. Ça, c'est... Attends, c'est quoi? Ah, c'est bon. Je pense que je vais la remettre dans mon. Des ronces partout. Ouais. Comme on dit, je dédicace à Ludo. Merci Ludo de m'avoir prévenu. Bon, là on va arriver déjà derrière la maison. Ouais. C'est là où il y a eu l'inondation, non? Ouais. Dans le garage. Oui, oui, ça, dans le sol. Ouais. Ouais. Alors j'espère que c'est toujours ouvert. Oui, c'est toujours ouvert. Avec de la flotte. Faut faire attention aux branches, aux ronces, tout pareil. Bah, les branches, ça va, mais... Vas-y, fais comme si c'est pas là. Viens virer. Waouh. Oh mon Dieu. Waouh. Eh ben... Je sais pas si on sait pas si, en fait, parce qu'il y a plein... Il y a quelqu'un qui a squatté ici. C'est quoi ça? Putain, c'était pas avant tout ça, c'est bouteille, ces machins. Oh, il y a. Putain, il y a de la flotte là. Ouais. Malheureusement, c'est le seul accès, je crois. Donc. Par l'entrée. Malheureusement. Bonjour, Mono. Bah, il faut qu'on y aille. Ouais. Donc. Je pense que par les planches, non? Ouais. Faut vite. Ouais. Vous montez. Normalement, c'est waterproof, mais. Ah oui, écoutez. Pas encore. C'est par ici, l'escalier. On va se mettre à l'abri. Ouais. Oh putain, elle est bien. Oula, attention, pas glisser.
Ah oui. Oh, je me rappelle qui c'est qui avait eu un or, une or. On va se mettre là. Ouais. Tu vas me filmer, j'essaie. Attends, Alors. Comme ça? Tu vas voir. Je suis petite, je sais. Non. Ok. Tu me vois? Oh, oui. Vous me dites si j'ai les pieds mouillés, là, toi? Moi pas. C'est vrai? Ouais. Quelle chance. Ah, bah c'est des chaussures de chez... Ouais. Adi. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de cette série. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je ne suis pas seul, comme vous pouvez le voir. Je suis avec Magali, qui nous vient de la Belgique. Coucou Magali, comment tu vas? Ça va très bien. En fait, je parle vite, parce qu'en fait, on a traversé toute une étape avec des ronces. Avec des herbes qui arrivent ici, la flotte dans le sous-sol, les voitures qui passent à côté, donc c'est vraiment une étape assez compliquée. Mais bon, on y est, nous sommes dans la maison au cri, là où il y a eu un cri assez particulier. Beaucoup m'ont dit en commentaire, ouais mais c'est un sanglier. Bon, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Je suis revenu avec Alice, d'ailleurs je fais un gros bisou si elle me voit. Et on avait fait une séance de Ouija, pas mal de choses d'espérance. Et du coup, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui peut vraiment, ce qui a pu générer ce tel bruit bizarre. Donc voilà, du coup, c'est Magali qui va filmer. Moi, je vais la guider un petit peu dans son cheminement, tu vois, dans l'enquête. Et puis voilà, donc là, nous sommes au niveau du premier étage. J'ai les pieds gelés. ça, comment tu sens? Franchement, quand je sais pas pourquoi, mais je me sens observée. C'est-à-dire? Je sens que je suis pas ça. Ouais. Alors, je sais que Magali, juste avant, elle me disait, je pense que tu pourras confirmer, c'est que quand t'as vu la vidéo, tu m'expliquais dans la salle de bain, t'avais vu un truc, enfin, t'avais ressenti quelque chose de particulier. Ouais. Tu peux expliquer toi la caméra, ce que tu penses à ce moment-là? Ben, quand j'ai vu la vidéo, vraiment dans la salle de bain, je sais pas, je pleurais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu des larmes. Je me rappelle ouais. Comme s'il y a eu quelque chose vraiment particulier dans la petite salle de bain. D'accord. Franchement, je... Enfin, voilà. Et est-ce que par rapport à ce que tu as ressenti, tu pourrais faire un lien avec le fameux cri ou pas? Est-ce que tu penses que c'est un lien? Franchement, je ne saurais pas te dire vraiment ouais. Comme ça. D'accord. Le cri, vraiment, c'était quelque chose assez... Enfin, effrayant, surtout. Oui. C'était juste derrière toi, à ta gauche, en fait. Oui, mais c'est ça. Et donc, le truc, c'est que je tiens à la remercier, elle et son mari, en fait, ils sont venus tous les deux, avec la petite aussi, ouais. 4 mois, qui est magnifique comme tout. Ils nous viennent de Belgique. D'accord, donc c'est à peu près 11-12 heures de route. Et je tiens à les remercier car ils ont fait l'effort et puis ils ont tout mis en œuvre pour être là. Du coup, on est le 4 ou 5 que... Le 4 janvier. Voilà, janvier, début d'année forcément. Il fait pas très chaud, il doit faire quoi, 3-4 degrés, grand max. Oui. Je pense que le voir au niveau de la buée, dès qu'on respire, c'est compliqué. Donc voilà, on est tous les deux, on a tout le matos qui va avec. On va essayer d'enquêter, comme j'ai pu faire avec Alice à une époque. De voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut avoir dans cette maison. Est-ce que c'est paranormal? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est un sanglier qui se cache dans le sous-sol, dans les murs, une petite souris? Je sais pas. On va voir. Et du coup, c'est, voilà, c'est Magali qui aura tout le matos avec elle. Et moi, je vais la guider. Et puis, on va commencer maintenant. C'est parti.
C'était vraiment de là. Ah, ça n'a pas trop changé. Donc là, on est dans le couloir. Et en face, c'est juste en face où. C'est ça, c'est juste c'est en là, face. C'est là quand t'es rentré. C'était ouf. Fait. Donc si je peux juste passer devant. Oui, bah, allez-y, allez-y. Tu peux. Ouais, c'est ça. En fait, donc toi, la salle de bain, c'était ici. Ouais. Tu t'es senti quelque chose de bizarre. Ouais. Quand t'as la vidéo, je crois. Ouais. Franchement. Tu peux rentrer si tu veux, vas-y. Fais comme chez moi. Franchement, je te jure, je commence à avoir les larmes aux yeux. C'est vrai? Ouais. Après, n'hésite pas voilà, si tu ressens des choses. Mais franchement, ici, je commence à avoir sensation de tristesse. Je sais pas pourquoi, mais. Ouais. Comme si quelqu'un pleurait ou. Franchement, je sais pas. J'ai une sensation que quelqu'un a pleuré ici. D'accord. Ce serait plus un adulte, un enfant? Enfin, comment tu. Tu sais pas? Je sais pas. Je pense que j'irai une adulte. Ouais. Alors, de mémoire, je crois que dans la salle de bain, grand fond de mémoire, hein, j'ai fait plus de 200 enquêtes, c'est assez compliqué pour vraiment vous ressortir le truc à chaque fois, mais il me semble que ici même, j'avais eu un PVE ou une voix ou un bruit particulier, et qui m'avait amené justement dans le couloir à côté et à droite, là où j'ai eu justement les fameux bruits de pas. Et le cri en l'occurrence. Donc moi j'étais ici. Oh, c'est bizarre de se retrouver là. La porte a été ouverte la dernière fois. Non. Elle était fermée. Donc je suppose que les gens ont entendu le bruit. Ouais, je suppose. Et voilà, fermée, pour être plus tranquille. Ouais. Je pense que je vais prendre des photos au fur et à mesure. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est simple. On va faire une petite inspection durant quelques minutes. Et après, au fur et à mesure, on va basculer dans l'enquête avec le K2, Mémetteur et compagnie, et Spirit Box. Là, on va essayer un petit peu de se faire notre propre opinion, enfin, ressenti par rapport à différentes pièces, surtout pour la galerie. Et puis voilà. Je te laisse filmer si tu veux le reste. Après, n'hésite pas si tu veux me dire ce que tu ressens ou ce que tu penses. Mais franchement, heureusement que c'est des cadavres d'araignées. Je sais pas pourquoi, mais je me sens mal à l'aise. C'est vrai? Ah. Je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose ici. Après, moi, j'ai pas plus niveau. Tu sais, comment j'explique la question? Niveau historique, j'ai pas vraiment de truc. Tout ce que je sais, c'est que c'est mon oncle. Il y a de ça 20 ans, 25 ans qui tombe en panne au bord de la route. Pourquoi on ne sait pas. Il a entendu des cris ignobles ici. Il a dû pousser la voiture pendant 100 mètres. Après, sa voiture a redémarré toute seule. Moi, après, j'ai fait mon enquête 25 ans après, pour vous dire. Après, j'ai niveau propriétaire. Je sais que c'est une maison qu'il ne veut pas vendre ou qu'il ne peut pas vendre. Mais après, son histoire personnelle, je ne sais pas. C'est ça qui est assez étrange. Je prends des photos au fur et à mesure. Je pense qu'il serait bien si elle se présentait. Oui. Je te laisse faire. Oui. Bonsoir. Je m'appelle Magali. Je suis nouvelle. Je viens en paix, évidemment. Et c'est pour avoir des réponses de ce qui s'est passé vraiment dans ce lieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens. Je sais pas comment je vais le dire, mais je trouve pas les mots, mais je ressens quelque chose de. Vraiment de lourd. De pression, pas. Enfin, d'oppression ? Oui. Ouais, vraiment. Vraiment de lourd.
Du coup, voilà, je suis avec Magali. Moi, je suis déjà venu ici à plusieurs reprises avec Calice notamment. Donc, l'objectif, il est simple. C'est pas de vous chasser, c'est pas de vous faire peur, etc. On est là vraiment pour avoir des réponses. Savoir qu'est-ce qui s'est passé ici. Si vous êtes là, si vous avez conscience de ce qui se passe, n'hésitez pas à parler à travers le micro de ma caméra. Ou sinon, en faisant des bruits, comme vous l'avez si bien fait la dernière fois, en marchant sur le sol ou en faisant le cri. Moi, c'était à ce niveau-là. Un bruit strident, assez strident. Donc n'hésitez pas à le refaire si vous pouvez. En tout cas, on est vraiment là pour vous, finalement. D'accord. Après, on va utiliser différents appareils, accessoires, le K2, Manmeter, etc. Spirit Box aussi pour vous entendre. Donc n'essayez pas de... Voilà, essayez. Enfin, au contraire, essayez justement de manifester du mieux que vous pouvez. Voilà. Donc là, c'est la cuisine. Oui, c'est là que tu avais fait du Ouija. Oui, j'ai mis, je crois, une ancienne boutouche, je crois, il me semble aussi. Une photo. Je prends des photos. N'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. Merci. Je sais pas pourquoi, mais on n'est pas seul. Ah, c'est sûr. Tu le sens, je le ressens. Donc. Mais je sens qu'on nous observe surtout. Ouais, je vais fermer la porte. Hein. Dis-moi si je peux. Donc l'état est toujours aussi dégradé. Attention, on va faire la terre. Oui. Je ne suis pas étonné. Il y a eu la visite. Donc là, je ne vais pas pouvoir peut-être fermer ici. Avec l'humidité, c'est assez compliqué. Oh, ça me rappelle des souvenirs de ouf. Ici, c'est... j'ai mis mon PC. Oh là, on a très senti. C'est quoi ça? Tu vois? Oh mon dieu! Alors, on va faire le tour de la maison. Oh mon dieu! Mais ça, ça n'est pas. Ça aussi, je pense pas que ça n'y était pas. C'est quoi ça? Je te jure, là, je ne sens pas bien. Même si je. C'est quoi ça? Franchement, je t'avoue, même si j'adore les poupées que j'aime bien jouer avec, mais tu là. Sais, attends, la poule, tu sais à quoi ça fait penser? Ça fait penser à l'enquête que j'ai fait récemment. Dans un petit manoir, et j'avais retrouvé un petit ballon rose. T'en souviens de ça? Je pense, ouais. Et là, ce qui est vachement étrange, après, bon, on va pas non plus psychoter, c'est qu'on retrouve une tête d'une poupée à moitié carbonisée, et surtout, ses griffes. On peut les compter, t'en as une, deux, trois assez visibles, et une quatrième, comme une griffe, en fait. Ouais. Là aussi, quelques gouttes, par-ci, par-là. Mais ce qui est assez étrange, si on fait un petit point panoramique, en fait, il n'y a que ici qu'on peut apercevoir ça. Moi, je n'ai pas vu, peut-être à côté. Non, mais... Là, je ferme aussi. Ouais. Mais c'est quoi, Zélie? Je... Est-ce que... Allez, par exemple, si... si quelqu'un est venu, mais je ne pense pas, mais... Oui, ben, à moins que... Quelqu'un est venu, toi, squatter... Voilà, quelqu'un est venu squatter. Mais ça... Ça, franchement, c'est, pour moi, c'est pas. Je vous dis déjà, pour moi, c'est pas. Franchement, c'est pas de la peinture. Regarde, elle est encore. On dirait qu'elle est encore fraîche. Oh, c'est vrai, t'as raison. Ici, là, on dirait du sang coagulé. Oh, mon Dieu. Et assez récent, en plus. Ça te pensait au film, là, le mur qui saigne. Mais bon. Ouais. Après, ce qui est assez ouf, c'est que. Bon, soit c'est pour me faire peur qu'ils ont fait ça. Oui, voilà. Ou vraiment, il y a quelque chose de démoniaque qui a mis sa griffe, en fait, ici. Quelqu'un est là? Je me sens pas bien. Je sais pas pourquoi, mais je vais me mettre sur le mur. C'est vous qui avez fait la griffe, là, contre le mur? Je fais ma porte. Si c'est le cas... Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Putain, j'ai ressenti qu'il y a cette brise. Ouais. Mais j'ai... Franchement, je commence à avoir le cœur qui s'emballe. Je sais pas pourquoi, mais j'ai... Ah ouais? C'est... Donc là, c'est...
vais quand même. Je vais fermer, c'est plus tranquille au niveau des bruits. Mmh. Donc, juste pour rappel, c'est qu'en fait, on a nos deux téléphones qui sont en mode avion. Mmh. D'accord ? Il doit être à peu près. Il est quelle heure ? T'as entendu ? Oui. Quelqu'un. T'as entendu le bruit ? Oui, oui. Quelqu'un a marché sur le verre. Attends-moi. Il y a quelque chose qui a marché dans la pièce à côté. On va aller voir ça. Je peux poser la question ? Oui, dis-moi. C'est vous qui avez marché sur les verres à l'instant ? Attends, bouge plus. Si oui, vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Ça, c'est moi, ça. Il y a quelqu'un qui marche. J'ai entendu quelqu'un marcher. Je prends une photo. Je prends une photo ! Manifestez-vous en face de moi, s'il vous plaît, merci. Là, c'est sûr, il est un peu bizarre. Oui, oui, oui. La poupée, là, c'est quoi, Zélia ? J'ai entendu les bruits de pas par là. Où ça ? Par là. Vas-y, on va aller voir. Vraiment, dans... Ouh. Je suis. Franchement, je... Par contre... Pour moi, le bruit, en fait... Ça venait de là. Ouais. Alors, je vais essayer de reprendre le bruit. Ouais. C'était un bruit genre... C'était quoi, ça ? De quoi ? Il y a quelqu'un qui va... Où ? Derrière ? Ouais, ouais. Je sais pas si tu l'entendras dans la caméra, mais j'ai entendu... C'est ce qu'on va faire ? Sortir la... C'est quoi ? On va prendre le K2. Je vais prendre le K2. Ouais. Et je vais prendre aussi également le... Enfin, pour moi, c'est pas... Enfin, il n'y a pas d'animaux autour. Ça, je peux confirmer. Ah non, il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de parc animalier. Il n'y a vraiment rien. On est dans mon seul monde. Les seuls animaux sont des rongeurs qui peuvent avoir encore ces petites souris, machin. On n'en a pas croisé. Mmh. Donc là, j'ai allumé pour avoir confirmation de ce qui s'est passé. Mon K2, vous connaissez, hein, qui détecte les champs électromagnétiques. Et cet appareil, d'accord, que ma femme m'a offert, en fait, c'est un mémetteur. Sauf que celui-ci, en plus, détecte les champs électriques et électromagnétiques. Et en plus, il fait aussi la température. Donc là, nous sommes... on a 12 degrés 1, d'accord. Donc on vérifiera d'ici une demi-heure combien on a. On a donc 12 degrés 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déambuler avec ces appareils et voir si on peut interagir avec les esprits. Mais c'est vraiment dingue. Pour toute info, je ne suis pas une personne qui fait des sketchs ou une comédie. Franchement, ce que je ressens, c'est réel. Franchement, je fais pas exprès. Je préfère le dire parce que. Tu vois, ce qui est étrange, on ne retrouve pas la griffe, tu vois, sur le mur. Là, ça reste. Normal, faut pas en pièce. Ici, je vais fermer. Mmh. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je me mette à côté du mur. De quoi ? Il faut que je me mette à côté du mur. Pourquoi ? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui... Je sens que quelqu'un... Dis-moi. Il y a quelqu'un qui nous observe, franchement. À quel niveau? Tu penses plus au niveau de la salle de bain ou du couloir? Entre au niveau de... Au niveau de radiateur. Je sais pas pourquoi, mais... Là-bas, au fond? Ouais. Vraiment, vraiment. Mais tu sais quoi? On va voir si t'as raison. Suis-moi. Je sais. Vraiment, je sais pas, j'ai... T'es quoi? T'as qu'à rester à ce niveau-là? Moi, je vais te positionner, mais c'est ici que t'as l'impression ?
Ouais. Si vous êtes là avec nous, comme vous le savez, on est ici pour interagir avec vous. Voilà, dans le sens que on cherche des réponses sur l'au-delà. On sait très bien que vous existez. On va pas revenir là-dessus. On a fait, enfin, personnellement, j'ai fait plus de 200 enquêtes. Magali aussi sait que vous existez. On veut savoir si vous êtes vraiment dans cette maison. Si c'est le cas, n'hésitez pas à toucher mes appareils que j'ai dans les mains, d'accord. C'est un K2 celui-ci, celui-ci est émetteur, mais en gros c'est pareil. Il vous suffit vraiment de passer dessus ou de toucher ou machin, et ça fera des couleurs, ça fera un bruit. Donc vraiment, n'hésitez pas. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Juste pour te dire, j'ai entendu un... Où? À côté de moi. J'ai entendu comme si c'était un chut. Mais je suis pas sûre, mais... Non mais t'as raison de me dire, parce que si c'est enregistré, on le verra vite. Ça fera des couleurs, ça fera un bruit. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça fera des couleurs, ça fera un bruit. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça fera des couleurs, ça fera un bruit. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est quand au moment que t'as parlé avant la fin, je pense. Tu veux interagir avec eux? N'hésite pas, vas-y. Demande-leur si c'est bien eux qui a fait ça. Est-ce que c'est vous qui avez fait un chut à l'instant? Si oui, vous pouvez faire activer le K2 ou le mailmetteur, s'il vous plaît? Oh, j'ai mon oreille. J'ai une oreille gauche qui s'est bouchée. J'ai mon oreille gauche qui s'est bouchée. Mmh. D'un coup, tchou. Ça peut vous détecter, d'accord? Donc si vous voulez communiquer avec nous, si vous avez des messages, si vous voulez je ne sais quoi, n'hésitez pas à le toucher, comme ça on saura vraiment que vous êtes là avec moi et Magali, d'accord? C'est important pour nous. La température vient de chuter de 2 degrés. Là on est à même pas 11 degrés là. Mmh. Alors j'essaie de le montrer. Mmh. On était à 12,6 tout à l'heure. Je sais pas si on va le voir comme il faut. Là on est à 11. Pratiquement 2 degrés de perdu. K2 vient pas faire un bruit. T'as des couleurs? Non, j'ai entendu un cr... comme ça. Peut-être pour mon marchand, je sais pas. Ouais. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. 19, ça continue de baisser. On va aller revoir, ça va manger. Mais franchement. En plus, comment ça se fait que les verres sont cassés? Oh, regarde! Oh, il a fait tuer, t'as vu? Oh mon dieu! Il a fait tuer! Ah, j'ai pas fait, je pense pas que j'ai pas filmé. T'as fait attention? J'ai vu une fluctuation du K2. Alors, je sais pas si la caméra l'a enregistré, enfin, l'a filmé, mais j'ai vu une fluctuation. Et au moment où j'ai vu la fluctuation, j'ai vu le. Du coup, le reste du corps de la poupée. Ici, là. Elle était pas avant, on a dû la ramener. Thierry? Ouais. C'est quoi ça? C'est elle? Non. Fus, ça j'ai pas vu. Je te jure, elle n'y était pas là tantôt. Alors, je sais pas, faut vérifier au niveau de la caméra. Mais t'as raison, ça me dit rien. Ça me dit rien de tout ça. Putain, ça me dit rien. Je te jure, quand on était venu, la tête était là. J'ai pas vu ça. La griffe était là, ouais. Mais ça n'y était pas. Ça j'ai pas vu. Ça, j'ai pas fait attention. Alors, je sais pas si le mouchoir. De toute façon, on a envie de le voir. Quand on retrouve une tête d'une poupée à moitié carbonisée. On va essayer de faire un truc. Température à chute. On est à 10,4. Je sais pas si on va voir comme il faut. Tout à l'heure, on était à 19, 10,9. Là, on a 10,4. 10,3. Ça ouais. Chute. Ouais. Oh, c'est un truc de ouf, ça. Putain, c'est quoi, ça? C'est bizarre. C'est glauque. Ouais. Jerry. Dis-moi. T'as marqué sur le cou? Il y a du truc rouge sur le cou de la poupée. Oh mon Dieu.
Putain, on dirait. T'as raison, on dirait du sang. Sur le coup, là. Oui. Mais c'est frais, ça, en plus. Oh mon Dieu. Sainte Vierge noire, protège-moi. Protège-nous. Oh, ouais, t'as raison. Oh là là. Putain, on dirait du sang sur le coup de. Ah ouais, putain, c'est chaud. Elle a dit ça. Quelqu'un est dans l'esprit de la poupée. Enfin, est-ce qu'il y a un esprit dans la poupée, s'il vous plaît? Si c'est le cas, activez mes appareils. Ah, c'est récent, ça, non? Je te jure, elle n'y était pas tantôt. Tantôt, je le voyais normal. Ou c'était possible? Ouais, c'est... mais je suis comme toi. Hein. Ou c'était possible que je ne l'ai pas remarqué plus tôt. Oh, mais c'est... Ah non, en fait, c'est les yeux, tu vois? Ouais. Elles sont... Elles se ferment les yeux. Ouais, c'est... Oh, c'est flippé. C'est... Ouais. Par contre, ça, normalement... Ça fait du bruit, normalement. Ça doit faire main ou un truc dangereux. 10 degrés. On a perdu pratiquement 3 degrés, là. En l'espace de... Regarde, on a 9 presque. En l'espace de quelques minutes, on a perdu 3 degrés presque. Par contre, je ne sais pas si ça y était. Je te jure, vraiment, elle n'y était pas là tantôt. Mais moi, je l'ai pas vu, en tout cas, c'est sûr. Moi ah. quand je suis... Maintenant, quand j'étais avec toi, je te jure, la poupée était là, et on avait vu ça, mais ça, je te jure, elle n'y était pas. À moins qu'on ait resté fixé sur le machin, mais... Oui, peut-être, possible. C'est possible. On n'a pas remarqué. Oh, c'est étrange, tu vois. Ouais, c'est surtout ça. À moins, elle n'y était pas. Vous pouvez marcher, s'il vous plaît, ou fermer une porte, quelque chose? Merci. T'as entendu? C'était quoi ça? T'as entendu? Ouais. C'était en bas. J'ai cru que ça fait le... T'as vu? C'était en bas. Oh. J'ai entendu, hein. Ça fait... Alors, je sais pas, ça fait... Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai cru que je l'entends de là, juste en face. Et pour moi, c'est en bas. Ouais. Oh mon Dieu. On arrive. Tout doucement, on arrive. Tout doucement, t'as vu? Oui. Maintenant, on va recommencer. Parce qu'en fait, je vous explique. Bon, nous, on vient du sous-sol, là où c'est inondé, d'accord? Et quand j'ai demandé s'il y avait quelqu'un, s'il veut bien se manifester, je demandais, bon, forcément, faites un bruit, faites quelque chose. Et on a entendu quelque chose, pour moi, c'est en bas, au sol. Température, 9,5. Ça continue encore à baisser. Ouais. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Pour moi, c'était ici le bruit. Il y a quelqu'un en bas? Si oui, vous pouvez faire effectuer le K2 ou le melmetteur, s'il vous plaît. 9,4. Ouais. Ça baisse. C'est vous qui avez fait un bruit? Si c'est le cas, vous recommencez, s'il vous plaît. Excuse-moi, mais... Ça chute. On va se mettre en mode night shot. Ouais. Ouais, tu soucies, je pense, non? Non. C'est là, ton infrarouge. Je vais passer devant. Ouais. Tu me suis? Je te suis. Je vais essayer de pas trop tomber. Surtout les affaires. Tu veux que je te mette ça sur ce côté? Ça tombe quand même, mais... Ouais, c'est vrai? Ouais. 9-2. Oh mon Dieu. Voilà. Jerry. Ouais. C'est quoi les deux traces là? C'est pas nous? Là, 1, 2, 3. Où ça? Juste. Attends. Juste là. Là? Non, là. Ici là? Mmh.
Je sais pas. C'était là tantôt ? Bah j'en sais rien. Et si nous faisions un petit point ? Déjà commençons par le début, cette photo prise dans la chambre où j'ai entendu ce cri démoniaque. Elle est extrêmement lumineuse, malgré tout nous pouvons distinguer l'encadrure d'une porte. Question, est-ce un bug de mon appareil ou théorie paranormale, est-ce la porte d'où proviennent les amérantes ? Je vous avoue que j'ai pensé directement à ça. Hein. Second point, ma caméra enregistre une voix étouffée au moment où je rappelle que mon oncle avait été témoin d'un cri abominable dans cette maison. Très étrange, n'est-ce pas ? Troisième point, au moment où Magali dit qu'elle ressent une atmosphère très lourde, des orbes et des visages apparaissent en photo, mais également sur l'une des fenêtres. Alors, de la poussière, après de l'appareil d'Oli, ou réellement manifestation paranormale ? Quatrième point, moi et Magali entendons très clairement comme si quelqu'un marchait sur du verre au niveau de l'entrée de la maison. Alors comment expliquer ? Franchement, avec tout ce qui vient de se passer, pour moi, il est évident que des forces surnaturelles habitent cette demeure, vous comprendrez pourquoi. Cinquième point, nous sommes dans l'une des chambres où j'ai entendu ce cri affreux. Et là, une voix d'outre-tombe dit très clairement « Magali ». Elle semble l'interpeller. Alors, est-ce dû à un frottement ou un craquement au sol, ou est-ce bien un défunt qui souhaiterait communiquer avec mon abonné ? Sixième point. Nous sommes dans le couloir et je suis en train d'expliquer aux esprits du lieu comment interagir avec mes appareils. Soudainement, le micro de mon caméscope enregistre un PVE qui dit « Arrête ». Malheureusement, je ne peux rien conclure, mais c'est vraiment très 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 bizarre. Septième et dernier point pour le moment. Magali me fait une excellente remarque. Dans les escaliers, elle repère trois traces d'eau qui ne ressemblent pas du tout à nos empreintes de chaussures. Souvenez-vous que le sous-sol est inondé. On pourrait se dire naturellement que ces empreintes sont les nôtres. Mais ces marques sont plus rondes et plus petites, comme si une personne avait toqué avec son doigt. Eh oui, toqué. Mais ne serait-ce pas les bruits entendus plus tôt ? Voilà, ici ça va être compliqué de réaccéder. Mais c'est ici qu'on a eu les bruits. On va voir. 9 degrés. Regarde, ça baisse. 9. C'est vous qui avez fait un bruit ? N'hésitez pas, s'il vous plaît. À recommencer, merci. On a fait de la route pour venir ici. On est venu pour vous. Après, on va essayer d'entendre notre voix dans la Spirit Box. Mais je pense que vous connaissez, j'ai déjà fait une séance là-dessus. Donc si vous le voulez bien, faites un bruit ou faites fluctuer mon appareil. Mon appareil, je vais y arriver à parler. Quelque chose de concret qu'on puisse le comprendre. Merci beaucoup. Ouais, 8-9. Est-ce que c'est vous qui avez fait la griffure sur le mur ? On dirait du sang. C'est vous ou pas ? Si c'est le cas, faites du bruit, s'il vous plaît. Ou parlez près des micros. C'est ouf, hein? Oui, 8-7. Bon, on va remonter. Franchement, je me sens pas bien. C'est vrai? Je me sens... Qu'est-ce que tu ressens? Je suis stressée. Il y a de quoi stresser.
Je sais pas, mais je sens que... En tout cas, une chose est sûre, on n'est pas seul. On va essayer de la salle de bain, comme tu me disais, tu sais. Ouais. T'es rentré. Attends, je passe au fond. Pardon. Je vais peut-être poser la question. Vas-y. Je voudrais bien vous poser une question. Est-ce qu'il y a eu une femme ici? T'as entendu? T'as fait... ça a fait... Oh mon Dieu. Ouais, j'ai entendu. On recommence, tu veux dire? Est-ce qu'il y a eu une femme ici, dans la salle de bain? Si oui, est-ce que vous pouvez faire activer le K2? Ou le melmetteur, faire abaisser le melmetteur, la température? S'il vous plaît. Nous vous voulons aucun mal. Le bruit qu'on avait, que j'ai capté la dernière fois, ça le refait, mais plus subtilement, tu vois. Je vais essayer un truc. Vas-y. Est-ce que par hasard vous pouvez faire cet air? La suite, si vous connaissez. Je vais le refaire. Tiens-moi ça. Moi non plus, c'est moi qui marche. Je suis pas bien, ça. Moi non plus. Je suis pas bien du tout, là. Moi non plus. J'ai l'impression qu'on n'est pas les bienvenus. Ouais. C'est ça. Alors, je sais pas si c'est psychologique, le fait que moi, j'ai vécu tel bruit de pas, le cri, machin, qui me reste, mais c'est effectivement ça. J'ai au moins une impression de... quelque chose de très très lourd, là. Et puis, quelques instants. Je sais pas pourquoi, mais j'ai très très froid d'un coup. Est-ce que c'est à cause du courant d'air ou quoi? Je ne sais pas. C'est possible. On est à 8,7. Dans la température, c'est stabilisé. On a perdu... on était à 12,6 à l'heure. Je pense. On a perdu pratiquement plus de 4 degrés. On va faire une séance de spirit box. Je sais pas pourquoi, mais il faut aller dans le salon. Vas-y, je te suis, Apoule. Là où il y a eu... Ah, c'est chelou, là, avec la poupée et tout. Mais je te jure, il n'y était pas... là, avant. Alors, je tiens à le rappeler, c'est pas une mise en scène, encore une fois. Avec Magali, on n'a fait aucun repérage, dans le sens qu'on n'est pas venu ici, ou mettre des choses, décorations, quoi que ce soit. On est arrivé, on s'est posé ce parking, on s'est donné quoi, 20 minutes, du temps de discuter, d'attendre un petit peu, et on est arrivé là, directement. Et donc ça, en fait, je ne le comprends pas. Ça, je ne le comprends pas, et surtout la poupée là-bas. Ça vient pas de nous, c'est pas une mise en scène. Hein. Parce que les gens, tu sais, je les vois venir, ils ont fait exprès, tu sais, faire un peu film d'horreur. Ouais, mais c'est non, ça. Non, c'est qu'on est arrivé comme ça, peut-être qu'il y a donc deux possibilités. La première, c'est que cette poupée est perdue seule. Donc, imagine que des gens ont dû venir ici pour peut-être nous faire peur. Voilà. Ou tu vois, du genre une séance. Allez.
comment on dit encore, du culte un peu... satanique un peu. Ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai pensé aussi tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, j'ai très froid là. T'as froid ? Je tremble. Vu que c'est toi qui ressens pas de choses, tu sais ce qu'on va faire ? Tu veux faire un tour dans la maison ? Moi, genre, j'aurais ça. Ouais. Genre, si j'aurais fait ma pièce, je vais finir avec mon. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais actionner mon truc, si j'y arrive. Voilà. Je vais faire une vidéo. Tu veux que je prenne le K2 pour voir si ça fonctionne ? Si tu veux, tu as trouvé avec ton. Ouais. Bon, c'est. Tac, être droit comme ça. Ouais. Ok. Je vais te faire un tour. Moi, je vais rester dans la pièce. Je vais filmer, d'accord ? Ouais. Si t'as un problème, tu me dis. Ouais, je crie. Je te crie. Voilà. N'hésite pas. Franchement, si je me sens vraiment pas bien, je. Alors, nous vous voulons aucun mal. Nous respectons votre choix de rester. Mais on voudrait avoir des réponses de ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien vous poser une question. Ben pour une simple question. Hein. Est-ce que avant cette maison, je sais pas pourquoi, mais je le ressens. Est-ce qu'il y a eu une cimetière avant? Ou un cimetière indien, ancien? J'ai la sacoche qui se barre. Alors, Jerry est de son côté. Moi, je suis de mon côté. Deux. Vous voyez, hein, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Ce n'est pas... Oh bordel, c'est quoi ça? Oh bordel, dégage. Il y a... Génial. Alors, il y a une toilette. Est-ce qu'il y a eu une femme ici ou un enfant qui appartenait à la poupée, par exemple? Est-ce qu'il y aurait une petite fille? Si oui, est-ce que vous pouvez faire activer le K2, s'il vous plaît? Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu dans la salle de bain? Je sais pas pourquoi, mais je ressens de la tristesse ou du chagrin. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'important ici?
remettre le... l'épaulière. Ouh, je sens un grand air froid. Évidemment, est-ce que c'est à cause du courant d'air? Je ne sais pas, mais là... Ouh, il y a un grand air froid. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille, qui protège le grenier? Pour le moment, il n'y a rien. Vraiment, il y a... Je n'arrive pas. Il y a quelqu'un en bas? Là, c'est flippant. J'ai très froid. Oh, c'est qui? Oh, il m'a fait peur. Ce qui est étrange, c'est qu'en fait, dehors, on est à 9,2. Ouais. Il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mmh. Ouais, c'est pour ça que j'ai très très, très froid. Une question sur la joue là. Ouais. C'est quoi la joue? Elle était là tantôt ou pas? Je sais pas, poule. J'ai très très froid. Mais tiens, là, regarde, 8-8. Ouais. Et si on va dehors? Enfin, j'ai fait le test. J'ai pris 2-3 fois dans la pièce, après je vais me coucher dehors. Attention, il y a un petit... Ouais. Il est bleu, tu vois. Ouais. Regarde, 9. Je suis arrivé à 9-2 dehors. Ah ouais. Et... Ouais. Je sais pas si on va le voir. J'ai... Là, je suis 8-9. Attention, on va faire une lumière. Bon, on va faire une pause, c'est quoi ça? Je sais pas pourquoi, mais... Alors, c'était quoi ça? De quoi? Tu as entendu deux tocs. Où? Bah, je ne sais pas, c'était... Attends, on va faire. Le problème, c'est que ça fait bien. Vraiment, une porte ou... Vraiment quelque chose comme une armoire ou une porte. Dans le couloir, à côté? Je pense, ça venait par là, en tout cas. Regarde, là, ça, là, ça. Là, je suis 8-6. Tu vois, il fait même plus chaud à l'extérieur que à l'extérieur. 8-7. Quand t'es parti faire un tour tout à l'heure, t'as eu des choses, non? Non, mais j'ai cru entendre quelque chose en bas de l'escalier. C'est pour ça que je disais s'il y avait quelqu'un ou pas en bas. Mais si on y entend, sûr. 8-6. Je vais faire le sens de bus. Il fait très froid, là. Ouais, il fait super froid. Ici, d'un coup... Ah, j'en tremble. Oh. Je suis peut-être frileuse, mais là, un grand froid. Il fait très très froid. L'application, elle est où? On va la mettre en route. Toi, ouais. C'était quand j'ai été ici. Ouais. Et j'ai cru entendre... comme si... Enfin, je sais pas si c'était une voix ou... Tu trembles, hein? Oui, j'ai très froid, là. Tu mets ma veste? C'est... Eh non, ça va, mais c'est... Tu m'as dit, ça va pas. Non, ça va. C'est... Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. On est parti. Pose des questions, Arthur. Y a-t-il quelqu'un avec nous? S'il vous plaît.
Y a-t-il un message de nous faire passer? N'hésitez pas à utiliser les mots. Ah, c'est le fameux... Ouais, c'est le grenier, ça. Donc, ça fait bien marrer, genre, qu'ils disent qu'il y a un truc là-haut, quoi. Esquisse. Oh mon Dieu. Je crois que ça parle du truc sur le mur. Ah ouais? Ah oui, t'as raison. Est-ce que par hasard, ah ouais, le mot exquis... C'est par rapport, ouais, par rapport au mur que vous dites ça. Proposant. La droite d'auteur fissure longitude. Déficient, longitude. J'en reviens pas. Esquisse, on est en plein dedans. Hein. Ouais. Est-ce que c'est en rapport à la maison, aux esprits de la maison? Est-ce qu'il y a eu un rite satanique ici? Quelque chose? Qu'un rapport au diable? Tu veux qu'on se mette près de l'empreinte là? Oui. Peut-être que ça peut aider, je sais pas. Franchement, le... 10-4. Oh mon Dieu. Attends, je vais essayer de faire ça. Je vais quand même surveiller les alentours. Je vais essayer de faire comme ça. N'hésitez pas à utiliser les mots dans la... Dans le virus. Il y a plein de mots là-dedans. N'hésitez pas à les utiliser pour dire un message, s'il vous plaît. C'est vous qui avez fait ça ? Tu as fait flipper, c'est quoi ça? C'était quoi ça? C'est quoi les trois tocs? C'est quoi ce truc là? C'est quoi ces trois tocs? C'est pas les tocs, c'est les bruits de pas. T'as eu trois trucs, t'as eu? J'entends. Tac, tac. Ouais. Ça t'a même déstabilisé. Ça t'a déstabilisé. Là, franchement, ça. C'est vous qui avez fait ces trois bruits de pas là? C'est vous qui avez déstabilisé Magali? Ça fait tac tac tac. Je te jure, ça venait de par là. Je. La droite d'auteur est négative. Négative. Oh mon Dieu, non. Vous êtes négatif? Faites du bruit! Allez-y! Pagaille. Ah, mais c'est le cas, oui. Là, on est en pleine pagaille, oui. Apportant de la nourriture aux pauvres, c'est-à-dire. Apportant la nourriture aux pauvres. Mais pourquoi vous dites ça? C'est des phrases, c'est sont rares. Je pleure au moins. C'est quoi ça? Pourquoi tu pleures moins? Tu pleures moins. Pourquoi tu pleures moins? On cherche à comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. On vous veut aucun mal, hein. On n'est pas là pour vous chasser, hein. On vous jure, on veut juste... Richesse. Ouais. Pro. C'est vous qui avez ça, oui ou non? Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est la droite d'auteur rat. C'est les rats. C'est comme s'il y avait des rites dans cette maison. Ouais. Oh, c'est... C'est une science.
démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Je suis pas bien. Ah, il y avait comme des bruits de pas, comme des trucs. J'ai dû trébucher un peu, mais je sais pas si c'est dû. Franchement, j'ai pas envie que. Ben vous non plus. Quelqu'un dans cette maison? Je... Vexé. Vexé. Monnaie. Monnaie? Pourquoi? Sceptique. Oui. Je te jure, je saurais pas courir. Hein. Ah ouais? Pas avec. Bah ouais, est-ce que tu veux? C'est quoi ça? Inquiétante. Ne pas côté. Quoi? Oh là, ça vite! Rock. T'allais squatter auparavant? Rock. Et avant, t'avais un autre truc qui a dit. Ouais. Mais j'ai. Ça va trop vite? Ouais. Je sais pas si on l'a vu dans la caméra. Je ne sais pas, je ne pense pas. Vous pouvez toucher en même temps, s'il vous plaît, ma metteur? C'est ça? Vieillissement. En fait. Bah, vieillissement. Faire attention. Ouais, faire attention. Franchement, je te connais. Franchement, là, attends, je sais pas. Ça va? Bah, c'est ça. Ça, t'es sûr? Ouais. Ce qu'on va faire, on va faire une sorte de spirit box. On va se mettre pour le plus vite possible. Je pense le mieux c'est de faire de la cuisine, je pense. Parce qu'il faut proposer à côté. Bah, franchement, je préfère rester comme ça. Comment tu te sens? Ça. Ça va? Là, franchement, je te dis. J'ai... Ouais? Ouais. Je te jure, là, je tremble. Mais je te crois. Franchement, j'ai cru les trois tonnes que j'ai cru que c'était là, vraiment dans le mur. Ben moi, tu vois, ça m'a pris de... Je pensais que c'était... Enfin, comme si on essayait de te pousser, comme si... Alors, il y avait vraiment un truc assez bizarre. On verra ça par la suite. Je te laisse faire la séance de Spirit Box, tu vois. C'est quoi ça? Je sais pas. Vilain. T'as vu, ça se dit vilain. Oui. T'as dit vilain, ça se dit vilain. Bonsoir, vous êtes avec nous? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Il y a une poupée. Il y a une griffe contre le mur. Comme du sang. Je sais pas, c'est quoi? Oui. Pourquoi il faut du sang? Rituel. Ouais, tu entends. Rituel? Entendu? Non. Hein? C'est pas bon ça, c'est quelqu'un à jouer. On fait un truc si c'est le jeu. Je. Vous avez dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous pouvez allumer le cadeau en même temps? Il y a eu un cri la dernière fois ici. Je l'ai enregistré. C'est vous? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Ouais.
s'il vous plaît. Huit. Huit. Ouais, gardez aussi. Huit. Il y a huit esprits ici. Oui, j'ai entendu. Ouais. Par une madame, je pense. Ah. Quoi? C'est quoi ces poupées là? Je pense qu'on devrait tous leur sortir, je pense. Pourquoi vous nous dites de sortir d'ici? Ouais, ah, c'est un peu dans. On cherche des réponses à nos questions. Tu vas la lumière? Non. On va. Ouais, mais. Merci. Ne nous suivez pas, s'il vous plaît. Second débrief est très important. Premier point. Je suis avec Magali, en train d'inspecter cette griffure démoniaque contre le mur. Soudainement, un premier toc retentit près de nous. Mais le plus dingue, c'est la suite. C'est qu'une force invisible bouscule Magali. Trois bruits de pas sont enregistrés par le micro de ma caméra, juste avant que Magali soit agressée. Comment expliquer rationnellement un tel événement des plus effrayants? Sincèrement, je n'en vois aucune. Au vu des nombreux phénomènes captés par ma caméra jusqu'à présent, il serait débile de ne pas conclure à un phénomène inexplicable. Second point, je trouve personnellement que notre séance d'Ovidus n'a pas apporté de réponse concrète à notre enquête. Je vais donc pas m'attarder là-dessus. Quatrième point, vient la séance de Spirit Box. Là par contre, je suis très agréablement surpris des réponses apportées. Trois fois, nous entendrons une voix dire « vilain ». Peut-être fait-elle allusion aux démons dans la maison. Plusieurs chiffres nous indiqueront le nombre d'esprits éventuellement présents avec nous sur le lieu d'enquête. Mais le plus frappant, ce sont les mots comme « libère-nous » et « sors-nous de là » qui attireront toute notre attention après lors de l'analyse. Y a-t-il des esprits prisonniers d'un démon dans cette maison ? Viendrait-il d'un rituel ou d'une séance de spiritisme réalisée par des jeunes lors d'une soirée dans ce lieu? Et pour finir, ce second débrief, j'aperçois une lumière dans le coin d'une porte-fenêtre qui m'alerte sur la présence éventuelle d'un individu. Regardons la suite. T'as vu quoi, dis-moi? J'ai eu une ombre. Ah ouais? Mais vraiment, comme ça. Passé? Ben, quand tu m'as juste remis le truc, je sais pas si c'est... On va vérifier. Par rapport... Dis-moi. Par rapport au reflet. Tu vois, au reflet du... De... Oh, j'ai trop mal. T'as mal? T'as quoi? Dis-moi ce que tu as. J'ai très très froid. Tiens. Ouais. Mais...
Ça va mieux? J'ai vraiment très très froid. Ça va mieux ou pas? Il y a des fois où je me dis pourquoi j'ai choisi ce lieu. Hein? Comme on dit, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce lieu? Ah oui, je m'étonne. Oui, c'est bizarre, t'as vu une ombre là-bas? Bah, j'ai cru, hein, mais je me suis dit, est-ce que c'est à cause du reflet de la voiture, ouais, qui pouvait faire, ouais, ce genre? C'est moi aussi qui t'ai induit, on va dire, avant un truc, c'est ça? Peut-être. Ben bon, ça reste à voir sur la caméra pour voir. Attends, on va faire une séance depuis les parties. On était bien parti là. Ça a mieux ou pas? J'ai toujours froid. Oui? Est-ce qu'il y a eu un rituel satanique dans cette maison? Oui. Je crois. J'ai entendu. Tu veux le prendre? Tu veux essayer? Je vais essayer, c'est pas évident avec. Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit des trois coups par hasard sur le mur? Bonne photo, manifestez-vous s'il vous plaît, merci. Oui. Oui. T'as dit oui? Oui. Je comprends. C'est quoi ça? Oh putain. Mon appareil a pété 5 visages. Oh mon dieu. Non. Il y a 2. Photo. Manifestez-vous s'il vous plaît. Sur la photo. Oh. Oh. Ouais. J'ai très froid. Mais faut que tu ailles prendre. Non. Je viens d'entendre le mot. Comment ça? Ça. Mets-moi toi. Enlève les polières. Là, t'as un clic là. Tac. Faut une ceinture ici. Ouais. Non. Ouais, mais la ceinture est claire. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? La quoi? Il y avait pas quelque chose dedans? Je crois que tout est ici, je crois, non? Tu fais flipper. C'est parfait, non? Mais je te jure, je sens léger. Mets la veste comme il faut. Mets la ceinture claire. Je tiens ça. Je sais pas que t'es franc. Voilà. Ça va aller? Alors, ça ici. Voilà, ça d'un côté. C'est le mince, tu peux? Ouais. C'est quoi ça? Tac, tac, tac. Ouais. C'est quoi ça? Ouais. C'est quoi ça? Ouais. C'est quoi ça? Quoi? La GoPro. Désolé. Ah non, c'est pas grave. Je vais la prendre après, non? Je vais essayer de prendre. Je vais prendre une photo. Il y a quelqu'un qui a... C'est vous qui parlez?
oui. Est-ce que c'est vous qui allez dire mon nom? Je t'en prie. Ça va trop vite. De toute façon, vous inquiétez pas, ça va. Moi, après, j'ai un logiciel qui me permet de pouvoir vous entendre, vous écouter d'une manière beaucoup plus fluide, moins rapide surtout. Donc, vous pouvez parler, n'hésitez pas. Il y a la c'est pas. C'est pas. J'ai essayé. Elle est pas. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu mon prénom? Ouais, non. Comme ça? Je crois aussi. Ou comment ça? Ouais, comme ça. Oui. C'est toujours des deux points. Là, je suis traumatisé à vie. Vous pouvez faire interagir s'il vous plaît nos appareils en même temps? Ça serait bien. Quelqu'un est là? Ah! Il faut la lire, j'ai marre. Fais du bruit là! Allez! Quoi? Vous avez dit quoi? On n'est pas venu pour jouer au bowling ici, hein? On veut des réponses, nous, là! Mais c'est bizarre, ta peinture, elle remonte. Ouais. Alors qu'elle devrait descendre. Ouais. On sait que vous êtes là! Alors faites du bruit, touchez les appareils, on veut des réponses! Allez! Oui, mais fais du bruit! Oui, c'est quoi ça? C'est ici qu'il y a eu un cri, là! Là, derrière là! Il y a un petit cri dans la stream box. Oui, oui. Et... Non, c'était vraiment comme un...
Comme ça. Ah non, j'ai un truc, hein. On va sur le sac. Mais moi je sais, quand on y voit bien, je sens quelque chose dans l'estomac, c'est voilà, c'est juste ça. Les nausées, généralement, ça s'accompagne derrière des abdominaux, hein. Ça y est, ton prénom, Magali, c'est dit ? J'ai entendu. Mais... il faudra réécouter. À quel moment ça te l'a fait ? Mais quand on était. Dans le truc. Quand on était dans le. Dans le salon. Ouais. Tac. Mais viens, on y va. Sûr. Ah ouais, si ça fout dedans. Par contre, richesse, est-ce que quelqu'un. Pro-richesse ? Ouais. Est-ce que quelqu'un ici était riche ? Je sais qu'il y avait vieillissement. Vieillissement, pro, richesse, ouais. Sous vieillissement, peut-être. Ouais. Peut-être la maison, mais... c'est quoi, ça ? Je sais pas. J'ai cru... t'as pas une impression que ça se réchauffe ou... mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la température, oui. Parce que moi, je ressens... Y a, d'un coup, je ressens... bien, enfin chaud, puis après je recommence à redescendre, d'avoir froid. Mais c'est pas normal qu'il y ait... T'as déjà essayé avec le... cette température, tu veux essayer ? Oui. Alors après le pistolet, si tu veux, il capte la température du mur. Mmh. Nous on capte la température ambiante. Ouais. Donc je pense que logiquement la température du mur sera beaucoup plus fraîche. Aux alentours de 4-5 degrés. Essaye quoi ? Tu vois ? Ouais. C'est l'espoir, mon frère. Voilà, je fais les tests. Voilà. 4, 2. Mais je te jure, les goûts, je sais pas ce que c'est. J'ai cru que ça venait du... quoi ? J'ai cru que ça venait... tu vois, soit là... Ouais. Ou en haut. Je sais pas pourquoi, mais faut que j'y aille. Ici. Oh, trop vite. C'est le sol, ça. Ouais. Mais je vais faire là. 3-5, non ? T'as eu 3-5 ? 3-8. 3-8 ? Ouais, toujours 3-8. 3-8. Oh, je vais prendre des photos, donc j'y suis ici. Je vais bombarder des photos. Manifestez-vous si vous voulez, je prends des photos. Tu sais. Il faut que je les prenne. Est-ce que par hasard tu serais pas faire une photo de moi ? Je sais pas pourquoi, mais. Bon, si tu veux, bouge pas. Je sais pas, mais. Bouge pas. Je prends une photo. Encore une autre. Prends une photo, merci. Attends. Je prends une photo. Je ressens... oui, je...
On verra, il faut vérifier. C'est comme si t'avais un truc ici, en fait. En fait, là... Je sais pas, faut vérifier. T'as pas tu rebaisses. Ouais. Qu'est-ce que tu qu'on fasse, dis-moi. Je te laisse faire. C'était quoi, ça? Ouais, il y a eu un bruit, t'as entendu comme un animal, quelque chose? Ouais. Il fait... C'est ça? Ouais. Ouais. Qui fait un petit... Ouais. C'est quoi, ce truc? Par contre, ça... Par contre, la nature, elle reprend ses droits, hein. Ah oui. Ah ouais, grave. Là, j'irai pas faire un truc aussi. Non, non. Là, c'est mort. Par contre, faudrait bien vérifier ça, moi. Température de ça. Vas-y. 3-3. 3-1. Il a coupé ? 3-2. 1. 3-2 ? C'est chelou, ça. Je te jure, dans tes divers de haut, même avec la jeune fille, il n'y avait pas ça. Surtout moi, pas le... Oh, je recommence à avoir froid. Est-ce que tu peux faire une pause, on me dit, ou puis on va dans la voiture, on se chauffe. Pas de trop les potardies, quoi. Non, je fais. Tu veux choisir? Je... 4. Mais j'ai l'impression que ça répondait à mes tu vois, à mes coups, mais pas comme normalement ça devait faire 2 coups, mais là 3 coups. Par contre, ça, oh, ça c'est bizarre. Je n'aime vraiment pas ça. Ou soit c'est de la peinture, je sais pas. La peinture, ouais. J'ai l'impression. Ouais, mais si c'était de la peinture, ça devrait couler là. Ouais, c'est vrai. Mais là, on voit que c'est... On voit 3 lignes. Ça fait une griffe, et putain, mais... T'as raison, ça fait de la peinture, il y aurait carrément quelque chose qui... Et par terre, il n'y a rien, en fait. Non. Par terre, il n'y a aucune goutte. Ben oui, c'est ça que je dis. C'est pas normal. Même là, t'as une petite tache à côté en forme de feuille ou je ne sais quoi. C'est vrai. Ouais. Vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît, si vous êtes là? Ça paraît plus calme, du coup. C'est moi qui... Mais comme on dit, Mais comme on dit, il est... Quelle heure est-il? Vous pouvez en faire un bruit ici? Dans le couloir? S'il vous plaît? Ou faire bouger une porte, par exemple? Juste simplement bouger? Nous retentons avec Magali une autre séance de Ghostbox. Et là, encore une fois de plus, je suis surpris des résultats obtenus. Pour une énième fois, Magali entend toquer à plusieurs reprises dans la maison. Ensuite, nous avons la confirmation qu'un rituel et que quelque chose de mauvais est bien présent dans cette maison hantée. Ce qui semble évident, c'est qu'un être cher, proche de Magali, semble la protéger. Du moins, lui donne des indications. Sors d'ici, pour la préserver peut-être. Froid, car elle est tétanisée de peur et de froid également. Et Magali a une famille. C'est intéressant, ça. Mais c'est pas fini. Steve, elle a froid. Vovo. Alors Vovo, après consultation avec Magali, c'est un prêtre dont elle a connu et qu'elle aimait énormément. Il y a aussi Magali, pardon, je t'aime. Tout ce qu'il s'est passé n'est pas anodin et ne peut être le fruit du hasard. Ces mots
peuvent venir, à mon sens, peut-être, hein, d'un défunt qui a connu Magali par le passé. Pour moi, il s'agirait peut-être du prêtre Vovo qui serait présent pour laisser un message d'amour à Magali. Nous entendons, pour la énième fois en enquête, aussi la voix de William. Oui, la même voix qui crie son prénom. Comment est-ce possible? Je prends à plusieurs reprises Magali en photo. Une seule, pour moi, va confirmer que Magali est bel et bien entourée de plusieurs forces surnaturelles. Sûrement liées à l'histoire de la maison, bien sûr, mais également à des êtres chers. Du moins, c'est l'hypothèse que je me dis. Ensuite, nous avons ma GoPro qui va se couper net, alors qu'elle pourrait facilement enregistrer 30 minutes supplémentaires. Peu de temps après, Magali me dit « Tiens, et si nous faisions une autre séance de Vidus ?» Je lui réponds « Mais pourquoi pas ?» Eh bien, regardez ce qui va se passer. Vidus, c'est où ça en fait? C'est ici. Oh ! La première fois que ça le fait. Le capteur détecte une présence. Oh mon Dieu. C'est la première fois... ça marque ce message. Non. Je sais pas si tu captes, si on lit bien. Ouais, c'est la première fois que ça capte ça. Voilà, je me mets pas. Le capteur détecte une présence. C'est un truc de ouf. Je n'aime pas ça. Ça l'a jamais fait. Ouais. Le capteur de mon appareil détecte une présence. C'est la première fois que ce message s'affiche en plus d'une cinquantaine d'enquêtes. Et ce n'est pas encore tout. Peu après, Magali ressent qu'il y a eu un rituel dans cette maison, peut-être dû à la présence de cette poupée morbide et de la griffure démoniaque ensanglantée sur le mur. Quoi qu'il en soit, sur les ressentis de Magali, je vais tenter une expérience paranormale. Étrangement, à ce moment précis de l'enquête, l'enregistrement de ma caméra va bugger. Des coupures d'images vont apparaître. Quoi? Non. À quoi tu penses? Ben, tu vois, un genre rituel, mais avec des bébés ou... C'est peut-être par rapport... Ah, oui. Tu vois? Par rapport... C'est vrai. Qu'il y a eu quelque chose... par rapport avec... Oh non. Quoi? Non. Mais non, dis. À quoi tu penses? Je pense... Je suis pas sûre. Que... Bon, pour moi, je pense qu'il y a eu un rituel. Ouais. Évidemment, par rapport avec un enfant. Et qu'ils l'ont vu comme ça. Non. Tu penses? C'est peut-être possible. Ah, mais moi, je... Tout est possible. Oui, mais tu vois, d'arracher la tête. Attends, on va essayer un petit peu de les réveiller parce que c'est un peu trop long. Par contre... Attends. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On en fait quoi de ça, s'il vous plaît? Vous voulez qu'on... Ouais, c'est rentré. Et ça, c'est pour faire quoi, en fait? C'est pour quoi faire? Attends, tu vois. C'est un rituel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en fait, la tête? On joue au foot? C'est quoi le but, en fait? Ça floue. Hop là! Allez! On est tous réveillés, là! Je reste près de toi. Attends, si c'est un rituel, regarde. En fait, le rituel, il est simple. Hop là! Allez! On ferme une porte, une fenêtre! Jerry? Ouais. J'ai vu quelque chose. Où? Là, j'ai vu un truc. Dis-moi, où ça? Ici? Juste là derrière le truc. Derrière moi? J'ai vu un truc volumineux, comme ça. Passer ici, là? Ou alors c'est peut-être le reflet de mon. Dans la lampe, je sais pas. Ici? Non, juste l'autre. Je sais pas si c'est dû à la. Mais j'ai cru voir un truc comme ça. Passer d'un coup? Oui, un truc, un genre blanc. T'as mais... son verre à l'internet, c'est en vert là? En headshot? Oui. T'as son verre à l'internet, regarde. C'est dû. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. C'est un rituel, regarde. J'ai envie de vomir. Regarde le rituel, ce qu'on va en faire du rituel. Hop là, le rituel. Alors, les réponses, elles sont où les réponses? Hein? Chérie, je me sens pas. J'ai envie de vomir.
Hein? Ça va? Je me sens pas bien, j'ai envie de vomir. Attends. Non. Là, ce qu'on va lui mettre à la gueule. Hop là! Tu fais une pause? Je veux bien, parce que là... Attends, t'es pas venu pour rien, T'es pas venu pour rien, Belgique. Nous, on veut des réponses, là. Allez! Hop là! Terminé! Allez! Mais gentiment, s'il vous plaît. Ouais. Tu connais Arrête? Bah... t'as jeté la tête où? La tête, elle est là. Je sais pas. La tête, elle est là. Quoi? C'est impossible. C'est impossible. Je t'ai vu, je t'ai vu. Non, mais c'est impossible. Eh bien, viens là, j'ai tiré ici. Je te jure, la... C'est impossible. T'as vu comme moi? Oui, mais... J'ai mis ici, j'ai tiré là-dedans, là. C'est ça, mais... Alors, même si elle a pu rebondir contre la porte, comment elle a pu finir ici? Téléportation? Attends, je loupe pas un truc. C'est quoi ça? Attends, je loupe pas un truc. Ah non, c'est tu fais douter, parce que attends. J'ai tiré un grand coup. J'étais où? Bah là, ou alors c'est peut-être. Je suis pas sûre. Peut-être que ça a ricoché de là et que ça a peut-être venu de là. Tu y penses? Peut-être. Ouais, c'est ce peut-être. Qu'on va dire. On va se dire comme ça. On va dire que t'as peut-être shoté de là. Mais tu sais quoi? Parce que tu m'aurais. La vérité, tu m'aurais pas dit elle est là. Moi, ouais. Je pensais qu'elle était là. Ouais. Je me dis, elle est dans cet espace-là. J'en doute. Ah putain, j'ai eu peur là. Non, tu me fais flipper là. Bah. Non, mais oui, mais t'as raison, mais en même temps, j'ai mis un coup là-bas. Attends. Mais pourtant, il n'y a pas de trou. Il y a téléportation ou pas téléportation? Attends, tu vois. On m'a donné un grand coup de téléportation. Mais ça a vérifié, hein, si tu me dis, parce que... Oui, ouais, c'est pas réussi. Les yeux sont ouverts. Bon, c'est peut-être possible, évidemment. Ouais, à force de jouer. Ouais, mais à force. Oui. Les petits fantômes, du coup, je suis avec Magali qui est frigorifiée. Ah, et je la comprends. J'ai très froid. Donc, il y a le froid qui joue. Il y a aussi également dans cette maison... moi, je sais très bien que quand t'as une présence d'esprit, quand il y a des forces démoniaques ou autres, enfin, invisibles du moins... Je sais que la température elle baisse automatiquement, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire une pause ou on va, quoi qu'il en soit, on va faire un débrief. Parce que je pense que c'est important. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ça moi est pas très net. Mais dis-moi ce que tu en penses toi personnellement. Que c'est très hanté. Ouais. Vu ma tête déjà avec le. Oui. Le mur. Ouais. T'as vu un truc là-bas, je crois en plus. J'ai cru, franchement, t'étais là-bas. Ouais. Et j'ai vraiment... Oui, je pense que j'ai vu quelque chose. C'est pas naturel. On verra si c'est pas dû à la torche. Oui, voilà, ouais. Avec le reflet des miroirs. Mais je pense que j'ai vu... je suis pas sûre, mais je pense que j'ai vu un truc vraiment... Voilà, comme une silhouette, enfin plus bas. Oui. C'était vachement bas. Mais blanc. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est que à travers la Spirit Box, on a eu pas mal de mots intéressants. Oui. Donc ça, je vais décortiquer à savoir qu'est-ce que ça a dit. Au début du K2, j'ai eu à 2-3 reprises, ça a fluctué, mais il faut voir dans quelles circonstances. On a eu des bruits aussi intéressants à l'extérieur, mais aussi au sol en bas. Oui. Des bruits aussi pas mal. Et sur l'application, on a eu aussi également le message notif erreur qui disait présence d'esprit. Oui. Ça ne l'a jamais fait. Oui. Un truc de ouf. La poupée bizarre avec la trace, vous voyez, de toute façon. Et surtout, ça qui n'était pas, je pense. Ouais, le mouf, enfin, le lingette rempli de peinture ou je sais pas ce que c'est. Donc les mecs, je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Et puis cette trace, en fait, finalement, je me rends compte maintenant avec le contre-jour, c'est qu'en fait, elle descend, mais vraiment jusqu'en bas. T'as les traînées qui va jusqu'en bas. Donc je ne sais pas. Donc est-ce que c'est pour nous faire peur? Est-ce que c'est un rituel ou. Ou quoi, j'en sais rien. Franchement, je vous dis déjà, c'est...
Ce lieu est hanté. Pour moi, je sais qu'il est hanté. Magali, je pense qu'elle a vécu son propre truc à elle. Ah, ça, c'est sûr. On va faire un petit pause dans la voiture, on va voir si on revient ou pas. Par rapport à la batterie, par rapport à pas mal de choses, on va voir comment ça se passe. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, les petits fantômes, malgré tout, Magali a très froid. Donc pour ça, le courage qu'elle a eu, lui fait un plus gros pouce bleu. Ah, oui. Je pense qu'elle mérite largement. N'hésitez pas aussi à me faire un petit commentaire à dire, attends, commentaire, je sais pas si vous êtes toujours là, mais dites Magali par exemple, ça fera plaisir. Ouais. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser activer la clochette, pour moi c'est important pour continuer à rejoindre aussi, quand se rejoindre en donnant membre, du coup ça m'aide à continuer l'émission, c'est grâce à vous si je continue. Merci à Magali d'être venue de Belgique. Oui. 11 heures de route. Ah oui. Quand je te vois, j'aime la Belgique. Non mais c'est vrai, c'est quelqu'un de très très plaisant. Ouais, voilà, et puis laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Mais et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis très bientôt. On va faire une pause, peut-être qu'on reviendra, on va voir. Gros bisous, merci à tous. Il y a un an et demi, je me rendis seul de nuit dans un des lieux les plus hantés qu'il m'ait donné d'enquêter. Si je vous dis crucifix, vous vous souvenez ? Exactement. J'ai décidé de retourner là où Jésus s'était retourné seul sur le mur de la cuisine et qui avait fini par tomber. J'avais pris la poudre d'escampette à l'époque. Certains d'entre vous m'avaient accusé à tort d'avoir mis en scène cette exploration. Pourtant, il n'en est rien. J'ai bien été témoin d'un phénomène paranormal qui dépasse l'entendement. À l'époque, je n'avais pas utilisé de spirit box et je vous avais promis que je reviendrais sur les lieux afin d'en savoir plus sur ce qui s'était produit. Et bien voilà, le moment est arrivé.